J'ai passé la nuit, ça n'a pas été facile. Le vent s'est calmé seulement vers 5h du mat. Mais j'ai mis une heure avant de prendre ma décision de renvoyer de la toile. Parce que j'étais pas sûr que ce soit vraiment fini ou pas. Et j'avais peur que ça reparte de plus fort derrière. Notamment parce qu'il y avait des orages, il y avait pas mal d'éclairs autour de moi. Donc j'étais pas vraiment rassuré. Et puis à 7h, quand il y a eu le jour, il n'y a pas très longtemps, j'ai tout renvoyé. Donc là on marche pas mal. Il y a 11 nœuds de vent, on marche à 7 nœuds 20. On est à 35 000 de l'île, donc on devrait bientôt y arriver. Dans quelques heures encore. Et ça va permettre de se réveiller tranquillement, de prendre le petit déj. Et je me suis pas fait arraisonner par la marine turque. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant on est dans les eaux grecques. Donc normalement ils peuvent plus venir me chercher ici. Et qui dit eaux grecques dit changement de pavillon. Et on retourne sur le pavillon de courtoisie grec. Donc on va retirer le turc. Le pavillon turc en place, il va être affalé. Pavillon grec en place, hissez le pavillon grec. L'île est en vue, elle paraît peut-être pas si loin, mais c'est encore à 16 000, donc plus de 30 km. Et vu qu'on va pas très vite, il y a encore au moins 4 heures de navigation. Je suis enfin arrivé dans ce petit village qui a l'air bien sympathique, mais c'est pas fini, je vais pas pouvoir me reposer parce qu'on va aller essayer de payer la taxe du bateau, la taxe Tepai qui peut se payer dans les postes. J'espère qu'il y en a une ici. Sur internet ils disent que oui, mais on sait pas où. Donc je vais débarquer, je vais gonfler l'annexe d'abord. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'à Istanbul j'ai pas trouvé de gonfleur. Et quand je suis allé à la capitainerie avec une photo du gonfleur pour leur demander où est-ce que je pouvais trouver ce genre de choses, la personne m'a dit « je vois pas du tout ce que c'est comme truc ». Donc je vais encore me taper à gonfler l'annexe à la main. Ah, il en faut de la motive. Hein. Là j'aurais qu'une envie, c'est de me caler tranquille et de passer la journée tranquillou. Et au lieu de ça, faut continuer à s'activer. C'est bon, j'ai pu payer mon Tepai ici à la poste. Ouais.
c'est une fourmilière immense qui va jusque là-bas et probablement encore plus loin. Aujourd'hui, il fait moche, il crachine un peu, mais il faut partir parce qu'on a encore de la route pour arriver jusqu'au chantier. Donc on va y aller, même si ça va pas être funky aujourd'hui aussi. Cette nuit, ça a été un peu l'enfer, le bateau a beaucoup bougé, ça m'a réveillé. Du coup, j'ai regardé, il y avait 25 nœuds devant, il y a eu des grosses pluies aussi. Hier on était en short t-shirt, il faisait super bon, le temps était impeccable. Et aujourd'hui ça s'est bien dégradé. C'est pas facile de se motiver les jours où il fait moche comme ça. On a plutôt envie de rester dans le bateau à glander. Mais faut y aller.
Encore une séquence où le son ne marche pas et je ne me rappelle plus du tout ce que je disais. La séquence là filmée, elle date du 27 avril 2023. Aujourd'hui, au jour où j'enregistre la voix off, on est le 24 janvier 2024, mais la diffusion est prévue pour le 15 mai 2024. C'est comme ça que je m'organise pour vous faire des épisodes toutes les deux semaines. Alors pourquoi est-ce que je vous parle maintenant? Pour vous prévenir aussi que va bientôt y avoir pas mal de séquences où je vais avoir des gros problèmes de son. Et la voix off, moi, on va être de retour aussi pour vous expliquer tout ce qui s'est passé. Parce que là, pour le coup, je me rappelle bien. On est en train d'arriver. J'ai retiré le Génois parce que il se déventent tout le temps, il se regonfle, ça fait du bruit, des embardés, et c'est agaçant. Des dauphins pour m'accompagner jusqu'au mouillage. On voit trois. Et nous, et bien on va ici, à l'intérieur, dans cette petite crique. J'en ai fini avec cette nave usante, au portant, ça a roulé toute la journée. C'était un enfer, on a dû faire 80 000 je crois à peu près. Enfin, c'était plutôt rapide. Actuellement il est 20h53. Donc là ce que vous entendez c'est le chauffage, c'est la ventilation. Du coup je vais aller prendre une douche. Et j'espère que la nuit sera plus confortable que la nuit dernière. Et demain, on continue la navigation pour rejoindre le chantier. On aura peut-être le temps de faire une escale, je sais pas. On verra. De toute façon, on arrive en fin de voyage. Et en fin de voyage, en général, j'en ai un peu marre de filmer, un peu marre de parler à la caméra. Donc, m'en voulez pas, mais je vais prendre un petit peu mes distances, tranquillement, petit à petit. Ça sent la fin de la saison 3. Mais on reviendra pour la saison 4. Et la saison 4, on ramènera le bateau en France, on le préparera pour la transatlantique. Et la saison 5, ce sera transatlantique,
Antilles et transatlantique retour. Whoa.